Puissions démarrer la table ronde. Les différents intervenants peuvent venir se positionner. Alors, nous organisons par thématique peut-être. Monsieur Fonder avec Madame Joanneau. Pardon. Vous serez ici peut-être. Tout le monde est calé. Bon. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Madame la ministre déléguée à la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs, nous sommes ravis, émus, fiers de pouvoir vous accueillir dans cet atelier Plaisance, mais plus spécialement dans ce lycée professionnel Éric Tabarly. J'ai quelques minutes pour essayer de vous communiquer, de vous transmettre la passion que nous avons d'être dans cet établissement, d'être dans la voie professionnelle que nous tenons à pouvoir positionner et mettre en avant. Ce lycée professionnel Éric Tabarly, il ne fait pas que du nautisme. Il est lycée des métiers de l'automobile, de l'industrie, du monde nautique. Et je n'oublie pas également la menuiserie. Le premier point qui marque dans cet établissement, je trouve, c'est le contact qu'il existe entre des collégiens, des lycéens, des adultes. Ce mélange, ce melting pot que nous pouvons constater dans un environnement qui est quand même de qualité, est un facteur apaisant, un facteur de travail et un facteur de réussite. Vous l'aurez, je l'espère, constaté dans cette visite, il y avait un certain nombre de mots-clés que nous avions évoqués avant. Nous avons entendu les mots « dracard », nous avons entendu les mots « vaillante », nous avons entendu les mots d'autres « kiffant l'eau »,« vendéva », un certain nombre de projets, et j'en oublie certainement beaucoup, qui permettent de rapprocher, sur des demandes précises, les entreprises de l'établissement. Le lycée professionnel, c'est tout. C'est l'accueil, c'est la réconciliation avec l'école, c'est l'excellence, c'est les entreprises. Ce sont l'ensemble des partenaires qui concourent à ce que des jeunes qui arrivent chez nous puissent s'insérer dans la vie, poursuivre des études, réussir un parcours. J'ai deux mots qui me viennent quand il a fallu que je réfléchisse un petit peu à ce que je pourrais dire aujourd'hui. Il y a le mot parcours et il y a le mot attention. Au sens de porter l'attention à quelqu'un. J'ai le sentiment que la passion que nous avons pour le lycée professionnel, elle se décline sur l'attention que nous avons pour la persévérance scolaire, l'attention que nous avons pour pouvoir faire poursuivre nos jeunes. La notion de parcours, elle nous paraît essentielle pour avoir une lisibilité que l'on puisse offrir à la fois aux jeunes et à sa famille. Cette première brique qu'on va appeler le premier diplôme, qui est pour nous une composante essentielle, qui nécessite connaissances, compétences, culture, ça nous rappelle un certain socle du collège, nous paraît la base nécessaire et indispensable pour que des jeunes puissent poursuivre après leur route. Cette première brique d'une formation qu'on pourra appeler peut-être la formation tout au long de la vie peut certainement après découler sur un complément. Mais cette première base-là nous apparaît essentielle. Il y a deux lectures que l'on peut avoir sur, je dirais, la programmation d'un lycée professionnel. Nous pouvons en faire une lecture qui serait dans un sens sur l'articulation des diplômes entre eux, et puis il y a peut-être une lecture à avoir plutôt transversale sur les publics que nous accueillons. Aujourd'hui, être professeur en terminale bac professionnel, par exemple, c'est avoir de superbes réussites et un enjeu de gestion aussi de collectif. Une réussite parce que quand un adulte qui arrive et qui a déjà eu une formation peut revenir valider un autre diplôme dans une classe et que l'on voit le résultat, je trouve ça extraordinaire. Mais il ne faut pas occulter derrière la gestion qu'il peut présente un enjeu. Nous avons
souhaité sur cette table ronde pouvoir aborder un certain nombre de thèmes qui sont au nombre de trois. Le premier concernera, on appelle le décrochage scolaire, j'avoue préférer parfois le mot de persévérance scolaire qui porte, j'imagine, un nom qui donne la notion d'espoir, à la fois dans sa composante de prévention et de lutte. Vous avez pu déjeuner et rencontrer des élèves de 3e prépa métier qui vous ont expliqué l'objectif de cette classe. Et donc, la première thématique sera sur l'accueil, la connaissance d'un métier pour peut-être entamer une vie vers le lycée professionnel. Le deuxième point, j'ai cité quelques projets, seront l'étude peut-être des liens qu'il peut y avoir entre l'entreprise et l'établissement. Point important. Que ce point-là de l'entreprise avec l'établissement. Un exemple qui pourra être un peu développé est ce qu'on appelle une formation complémentaire d'initiative locale. Alors, nous avons beaucoup de sigles éducation nationale, c'est ce qu'on va appeler FCIL. Il faut comprendre par là la possibilité pour des jeunes qui ont validé un diplôme, un bac professionnel en l'occurrence, de pouvoir poursuivre leur formation, car les attentes qu'on nous indique par l'intermédiaire d'un campus, qu'on va appeler entre guillemets un guichet unique, spécialisé dans le nautisme, qui va permettre de nous faire valoir, en tout cas, les attentes des entreprises. L'alerte du campus nous dit, écoutez, les entreprises nous indiquent, lorsque vos jeunes vont sortir d'un bac professionnel, qui est nécessaire, parfois, suivant la spécificité de l'entreprise, il manque parfois certains éléments. Est-ce que l'on pourrait, avec l'éducation nationale, avoir cette souplesse de pouvoir créer quelque chose qui puisse répondre à ça ? C'est un exemple parmi certainement des réponses possibles. Il y a derrière tout ça un certain nombre d'enjeux, évidemment de problématiques peut-être plus ou moins techniques dont il n'est pas forcément utile de venir directement là. Mais en tout cas, cette solution peut exister et l'aspect souplesse est intéressant. Donc le deuxième point sera consacré à ça. Et la troisième, on a la chance d'avoir des témoignages élèves, sera l'écoute d'une réflexion sur l'orientation, sera l'écoute d'un parcours entamé et vous vous apercevrez que les différents profils d'élèves sont forcément représentés ou de jeunes dans un établissement. Que faire d'une éducation si nous n'avons pas les parents qui sont informés ? Et il sera aussi intéressant de connaître l'avis d'un parent qui, dans son histoire, n'avait pas forcément de lien directement avec la voie professionnelle, et peut-être de s'être posé la question que nous nous posons tous quand nos enfants arriverait à une étape d'orientation de se dire, est-ce que si mon enfant me demande d'aller en lycée professionnel, est-ce que je valide son choix ? Je vous propose de pouvoir débuter par ce premier temps, Madame Joanneau, Monsieur Fonder, sur des éléments liés à la 3e prépa métier, au décrochage scolaire et au regard des parents. Oui. Donc, bonjour, Monsieur le Président. Donc, je suis Madame Joanneau, professeur en lycée professionnel et j'enseigne le français, l'histoire géo et l'EMC. Et là, je vais intervenir pour parler plutôt des 3e prépa métiers. J'enseigne dans cette classe depuis 5 ans maintenant. Et cette année, je suis également donc co-PP. On a deux PP, deux professeurs principaux dans cette classe-là. Et je vais vous dresser un peu le portrait des élèves qu'on a, qu'on accueille, pour que vous puissiez peut-être comprendre, j'espère, et avoir un partage d'expérience de mon métier et de notre métier, parce que je suis la porte-parole, c'est pas facile, de tous les collègues, bien sûr, ici au lycée Tabarly. Donc, c'est une classe qui se compose de 24 élèves, 2 filles, 22 garçons. Dans cette classe, cette année, il y a pour l'instant 6 élèves qui ont pu avoir au collège ou en école élémentaire un PAP, c'est-à-dire un plan d'accompagnement personnalisé. Donc ça, les dossiers sont faits, on les connaît. Et donc, grâce à ça, ce suivi, en fait, cette liaison qu'il y a entre le collège et le lycée, on a donc des élèves qui peuvent être donc dyslexiques, dyspraxies, dyscalculies. Et on va les accompagner pour qu'ils puissent donc bénéficier d'aménagements. En fait, un PAP, ça permet à l'élève d'avoir un aménagement pédagogique, purement pédagogique. Donc des choses qui peuvent être anecdotiques pour nous, mais qui sont pour l'élève très importants. Une simple, par exemple, police d'écriture peut faciliter la lecture d'un élève qui est dyslexique. Simplement un interligne, voilà, peut aussi. Donc c'est des petits détails comme ça, c'est des exemples. Hein, mais grâce à ça, en fait, l'élève, il a déjà une facilité à rentrer dans le travail. Et bien sûr aussi avec après
nous, notre rôle de pédagogue, d'adapter aussi notre pédagogie à cet élève et donc faire un enseignement différencié pour que l'élève puisse s'y retrouver le plus facilement et qu'il puisse s'épanouir et acquérir des compétences. Donc, on a ces élèves-là. Après, on a deux élèves qui ont bénéficié, mais pas pour l'instant encore, parce que le dossier va être suivi, certainement, d'un accompagnement donc, d'une personne, d'une AESH, donc encore un nouveau sigle, peut-être pour certains. Donc, c'est des personnes qui accompagnent donc, les élèves en situation de handicap. Donc, il y en a qui ont pu partager et échanger, je crois, ce midi. Et donc, ces deux élèves-là, pour l'instant, n'en ont pas, parce que... on va revoir les dossiers, c'est normal, ils arrivent de collège, mais donc ils font partie de ce groupe-là d'élèves. Et puis après, on a aussi des élèves voilà, qui n'ont pas de PAP, qui n'ont pas d'AESH, donc par rapport à une situation de handicap, mais qui vont être hyperactifs, qui vont être... parfois, hélas, ils ont pu être violents dans d'autres établissements. Donc, on a des élèves aussi dans cette classe-là. Donc, on les accueille, bien sûr, mais qui ont pu être exclus d'un établissement, d'un deuxième établissement. Et donc, on a tout ce petit monde qui se côtoie et on essaye de travailler ensemble et dans une ambiance à peu près sereine. Ces élèves-là, en fait, quand ils arrivent en troisième chez nous, parfois... ils ont été un peu broyés par le système. Et donc, ils ont souvent... l'école, ce n'est pas toujours leur domaine de prédilection. Et donc, on essaye tous ensemble, je dis tous, c'est-à-dire l'équipe enseignante et l'équipe éducative, de faire en sorte que ces élèves-là puissent, donc en troisième en tout cas, ils ont deux objectifs, c'est quand même, ça leur met pas mal de pression, trouver leur voie professionnelle, enfin trouver une orientation, et obtenir leur premier diplôme national. Donc, pour tout ce qui est orientation... au sein du lycée, en fait, les élèves font trois stages. Un stage, deux stages d'une semaine. Là, ils vont bientôt partir, début octobre, c'est assez tôt. Et après les vacances de la Toussaint aussi, et ils terminent leur stage de deux semaines, début janvier. Alors, on peut se dire, mais c'est un petit peu tôt dans l'année. Oui, mais après, il y a des échéances de conseils de classe, de rencontres avec les parents. L'administratif aussi, qui est un élément important pour l'année de troisième, pour pouvoir après faire les demandes. Donc, soit aller en CAP, soit aller en bac pro pour les deux, souvent, filières qui sont proposées. Donc, bien sûr, tout cela se fait en lien avec la famille, l'établissement, et puis l'établissement, les enseignants et l'élève. Et en fait, nous, au lycée Tabarly, pour accompagner un petit peu plus les élèves, on fait un tutorat. C'est-à-dire que dans cette classe de 24, en fait, il y a un enseignant qui a un ou deux élèves, ça dépend de la matière qu'il enseigne. Et puis, donc, il accompagne l'élève. C'est un peu son référent. Alors, on ne va pas faire à la place d'eux, mais on l'accompagne. Et on lui dit, s'il n'y a pas de stage, on l'aide, on l'accompagne un petit peu pour, ne serait-ce que savoir trouver un nom d'entreprise, un numéro de téléphone, comment on fait. C'est des choses peut-être qui sont simples, mais qui sont très importantes pour ces élèves-là qui, des fois, ont des problèmes de communication, ne sont pas à l'aise. C'est un premier pas d'aller voir le monde professionnel et ce n'est pas toujours évident. Et donc, on les prépare aussi, on les accompagne de notre mieux, je l'espère. Et puis... après, donc, on a les élèves donc, en troisième. Pour découvrir le monde professionnel, donc, ils font ces stages. C'est déjà pour eux très important. Ils ont des rapports de stage. Ce n'est pas simplement je fais un stage. Ils ont des choses à rédiger à la suite de ces stages. Et puis après, en fait, tout au long de l'année, on va faire des visites d'entreprise. On va faire des visites de lieux culturels dans lesquels on va orienter la visite sur les métiers qui se trouvent dans ce lieu-là. L'année dernière, on avait accompagné des élèves à aller à la scène nationale d'une ville qui est là, Churion, au Grand Air, et on avait pu aussi donc, comparer une scène nationale avec un petit théâtre et voir les métiers qui s'y trouvent, et pourquoi pas trouver des vocations, enfin proposer et des métiers auxquels les élèves n'auraient peut-être pas pensé. Et puis, après, on va aussi visiter d'autres établissements de lycées professionnels. Donc, des fois, on est en partenariat avec les élèves du Valère-Mathé, le lycée qui est juste en face. Mais des fois, on va un peu plus loin. On va aussi à Luçon, lycée Pétré, donc un lycée professionnel, mais agricole, qui nous accueille assez souvent et ça fait un échange assez particulier et qui est très intéressant aussi. Des fois, et donc, à chaque fois, on essaye d'associer, comme on part une journée, on essaye de rentabiliser un peu la journée. Donc, c'est un établissement plus une entreprise. Et donc, pareil, à chaque fois, pour que l'élève puisse avoir vraiment une ouverture et un choix important.
Parce que il y a pas que de la maintenance nautique, il y a pas que de la menuiserie. C'est pas parce qu'on arrive au lycée en troisième qu'on va être orienté uniquement sur les filières du lycée, en fait. Et puis après aussi cette année, donc il va y avoir une nouveauté pour les élèves de troisième. Il va être proposé aussi le BIREM, en fait. Donc c'est un brevet d'initiation à la mer, en fait, où là les élèves vont aussi donc pouvoir valider un diplôme tout en suivant une petite formation et où pareil là ils vont rencontrer plein de personnes du champ donc des métiers de la mer. Donc là ça peut être de la pêche, ça peut être bien sûr du nautisme aussi, voilà, c'est très varié. Donc ça va être une nouveauté, on va mettre ça en place dans les semaines à venir. Donc voilà tout ce qu'on fait pour orienter nos élèves au mieux. Et donc oui, parce que je suis un peu longue. Et tout ça, donc ça sert à former bien sûr les élèves et à trouver leur voie professionnelle, d'obtenir leur premier diplôme pour pouvoir maîtriser donc le socle des compétences aussi. Mais surtout, enfin je pense que ça nous tient tous à cœur. Alors je ne sais pas si c'est spécifique au lycée Tabarly. On a des élèves bien sûr qui sont en voie professionnelle, donc ils ont une formation de qualité dans l'enseignement professionnel avec les cours dans les ateliers, ces stages aussi. Mais ce qui nous tient tous à cœur aussi, c'est de les accompagner vers à être un citoyen et un citoyen responsable avec de l'esprit critique pour pouvoir justement se défendre dans le monde du travail, entre autres. Et donc, je conclue ou j'ai encore d'autres choses à dire ? Vous concluez. Je conclue. Et donc c'était, j'espère, maintenant on connaît le protocole pour vous accueillir, donc j'espère pouvoir vous accueillir peut-être une autre prochaine fois et avoir toujours ce sourire, cette envie et surtout que le lycée professionnel perdure. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ces élèves de troisième sont orientés ou recrutés dans cette classe, parce qu'en fait, elle est assez réduite pour des bonnes raisons, et vous l'avez très bien expliqué, mais comment en fait ces élèves sont choisis, repérés ou orientés vers cette classe? Alors en fait, après, moi je connais un petit peu, mais c'est vrai que c'est les collègues du collège, en fait. Il y a les conseils de classe en quatrième. Enfin, je pense que M. Talon, ancien principal de collège, pourra peut-être être à même à répondre. En fait, après, ils font des demandes et ça passe à la moulinette, on va dire. Et puis donc, il y a un recrutement qui se fait et il y a des demandes et c'est ce qu'on appelle un taux de pression. Vous me donnez exactement l'occasion de reprendre la main. Merci, voilà. Madame Jeannot. Effectivement, on va pouvoir aussi avoir l'avis parent qui va nous éclairer sur le côté parent. Orienter un élève de quatrième vers une troisième prépa métier, c'est finalement déjà faire un premier pas vers la voie professionnelle. Ça veut dire que cela nécessite de pouvoir connaître à minima un certain nombre de thématiques. Pas forcément la réalité, pas forcément le concret, mais en tout cas s'intéresser aux thématiques. L'exemple du BIMER est un très bel exemple de ce qu'il se fait. Un BIMER, c'est un diplôme qui s'adresse à tout collégien de 4e et de 3e et qui vise à acquérir une culture marine. Ça veut dire que là, on n'est pas en train de distinguer les élèves à qui on va apporter cette culture marine. Et c'est là le plus important. Si on veut faire découvrir une filière, autant acculturer l'ensemble des personnes qui peuvent le faire, et elles feront leur choix. Et ça veut dire que le choix de l'orientation vient en conséquence naturelle d'une connaissance. La nouveauté est ici. Je vous propose, M. Fonder, de nous apporter le regard d'un parent dont l'enfant a décidé d'aller en voie professionnelle. C'est ça. Monsieur le Président, merci. Bonjour. Donc, Olivier Fonder, ostéopathe, amiennois. Si, tu es né à Amiens. Parce que j'ai rencontré une petite Vendéenne, tout simplement. Voilà. Après un long parcours, de très long parcours. Donc, comme vous pouvez l'entendre, ostéopathe, profession libérale. Ma femme est aussi ostéopathe, on s'est rencontrés à l'école. Et du coup, toute ma famille et toute sa famille, nous sommes tous plus ou moins du tertiaire ou du libéral. Administrateur de biens, avocat, médecin, et ainsi de suite. Et notre petit Thibault, donc c'est mon numéro 2, j'ai 3 enfants. Le numéro 2, difficulté scolaire. On a dû le traîner vraiment en fait jusqu'à la 3e. Pas adapté, c'était compliqué. Non pas qu'il était mauvais, loin de là. C'est juste que c'était pas adapté. Il comprenait pas l'utilité en fait de voir la culture du blé au Japon. Il voyait pas l'utilité de faire des calculs de masse. Enfin, aujourd'hui, il en voit l'utilité, mais à l'époque, il n'en voyait pas du tout l'utilité. C'était très difficile pour lui.
on se posait la question de savoir ce qu'on allait faire de lui. On voyait bien qu'on allait arriver vers le monde professionnel. Bac pro, alors, presque la cinquantaine, moi le bac pro, à l'époque, c'était la voie de garage. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a quand même beaucoup changé. Et j'ai dû vraiment, moi aussi, me dire, mais arrête avec cette idée, c'est pas possible, on a discuté avec ma femme. Et le pire, c'est que j'ai ma belle-mère qui était institutrice. Et elle, donc 80 ans aujourd'hui, elle a vraiment eu du mal à l'accepter. Mon grand est en études supérieures, le petit est trop petit, et donc elle disait, mais pourquoi ? Pourquoi lui, il peut pas ? Ben, simplement parce qu'on n'est pas pareil. La différence, ça c'est peut-être quelque chose aussi qui malheureusement n'existe pas quand on est parent dans le monde de l'éducation nationale aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. On doit être tous dans le même train, avec les mêmes idées. Ça, c'est peut-être aujourd'hui le problème. Et je pense que ce que vous allez amener comme réforme pourrait peut-être justement changer cela. Je pense que c'est très difficile quand on est libéral d'aujourd'hui de se poser la question, de se dire qu'est-ce que je vais faire de mon gamin en bac pro. Alors c'est vrai que c'est pas facile au début parce qu'il savait pas trop quoi faire. Il avait l'idée de partir à l'armée parce que ça aussi c'est un peu la simplicité. Quand on sait pas trop ce qu'on veut faire, on part à l'armée. Et puis il s'est vite rendu compte que non, c'était pas forcément pour lui. Et c'est en visitant deux, trois, c'était des lycées pour les portes ouvertes. On est tombé au moment du Covid, c'était un peu compliqué, mais on a réussi quand même. Il s'est de lui-même dirigé un jour vers la chaudronnerie et ça lui a plu. Bon, donc du coup on a dit bah on va se renseigner et lycée Tabarly, on est de Challans, donc c'est pas très loin en fait en Vendée. Super, on a postulé, il a été pris parce que justement il avait pas de mauvaises notes. T'étais pas un mauvais bougre, mais il pouvait pas, il arrivait pas, il collait pas en fait au cadre. Alors c'est vrai que ça doit changer ça et ça change. Je crois que ça change beaucoup quand on voit aujourd'hui le panel en fait d'enfants qui sont là, d'élèves qui sont heureux déjà de vous recevoir et de leur vous montrer ce qu'ils savent faire. Ça me réconforte aussi, je pense que ça réconforte, et ça risque aussi de réconforter ce genre d'intervention, beaucoup de parents qui se posent des questions, beaucoup trop de questions. Je prends l'exemple de l'Allemagne, alors c'est assez facile, hein, mais l'Allemagne, justement, c'est pas pareil qu'en France. Je suppose que vous connaissez comment ça marche, je vais rien vous apprendre, mais pour les intervenants qui ne savent pas forcément, là-bas, on peut être cadre en venant en fait d'un milieu très bas, en partant en fait du monde professionnel. Là-bas, c'est pas l'enseignement qui choisit où va aller l'enfant, mais c'est l'enfant qui trouve un patron et le patron dicte un peu ce qui va se passer. Alors c'est peut-être pas la meilleure solution, ce qu'on a en France c'est pas mal aussi, peut-être qu'un mix des deux. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas facile en fait en tant que parent aujourd'hui d'accepter en fait le monde professionnel. Maintenant, dans un lycée comme le lycée Tabarly, je dois vous avouer que c'est génial. C'est absolument, c'est un rêve. Mon enfant est content d'aller au lycée. J'ai jamais vu ça dans sa vie, en fait, avant. Il est heureux de venir ici, il est heureux, et voilà, et c'est un lycée qui est vraiment... Et il a 17 ans, il va passer son bac, il est en bac pro, donc chaudronnerie. La fin de l'intervention nous va très bien. Voilà, c'est exactement c'est... ça, je termine sur ça. D'accord, bien, je vous remercie. Oui, parce que dans la chaudronnerie, il y a énormément de travail. Il veut continuer en BTS parce qu'il dit je ne veux pas rester qu'en bas, comme il dit, il veut aussi être en haut. Donc en fait, ça veut dire que c'est la création, faire aussi du design. Parce qu'il s'est rendu compte en travaillant en stage que justement, des fois, les créateurs ne pensaient pas tout à fait aux bonnes choses. Ils font des dessins et disent voilà, tu feras une soudure ici. Oui, sauf que dans la réalité, la soudure, on ne peut pas. Donc être en bas et en haut, il s'est rendu compte que c'était intéressant. D'où l'utilité des stages qui, à mon avis, sont hyper intéressants. Je vous remercie. Merci. Peut-être avant de passer à la deuxième thématique, retenir en tout cas dans vos propos, à plusieurs reprises, vous évoquez à la fois un niveau scolaire initial, mais une poursuite d'études. On est bien dans en tout cas le challenge et les enjeux du lycée pro. Vous parlez d'une filière chaudronnerie dont on a une lisibilité lorsqu'on arrive dans l'établissement. Ça veut dire que quand on démarre son bac professionnel, on a visibilité et contact avec des gens qui sont en BTS après. Je pense que c'est aussi une réponse sur est-ce que mon enfant va aller en lycée pro ? Oui, bien sûr que tu vas aller en lycée pro. Et il y a aussi la possibilité, il n'y a pas qu'une réussite, il y a plein de réussites. Vous l'évoquez dans ce que vous indiquez, la possibilité pour chacun de pouvoir aussi savoir quelle va être sa réussite. Est-ce que ça va être sur le bac professionnel ou est-ce que ça va être sur une poursuite d'études après ? Avez-vous un complément sur cette thématique ? Non, je reviendrai peut-être à la fin. Ça marche. On en arrive au deuxième point. Nous avons la chance d'avoir à la fois un entrepreneur, Gwen Marine, présent avec nous aujourd'hui, et Mathias,
comment dire, un jeune, un étudiant, un ancien élève qui a un parcours qu'il va pouvoir nous présenter. L'idée était de pouvoir aussi faire un focus sur la relation entreprise-établissement avec une entreprise qui contribue, comme d'autres également qui sont parmi nous aujourd'hui, au lien et avec une spécialité nautique. Je vous laisse la parole. Merci. C'est bon. Alors, je vous avais préparé un speech, mais je me dis que finalement, je vais essayer de me le faire en autonome. Je me permettrai malgré tout de vous remettre ce document-là. J'interviens, si vous voulez, en tant que vieux de la vieille un petit peu. Je suis maintenant dans le nautisme depuis un peu plus de 34 ans, autodidacte. Je suis passé ici. Je suis un vieux de l'école qui n'avait pas ces bâtiments-là, bien sûr. Et j'ai démarré tout seul et puis j'ai forcément progressé et jusqu'au jour où j'ai passé le cap de me mettre à mon compte il y a maintenant 22 ans. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 25 salariés situés au Sable d'Olonne, La Rochelle, Arcachon et en ce moment, bon, et encore, j'ai encore d'autres développements à venir. On se prépare sur l'avenir, la nouvelle technologie, l'hydrogène, l'électrification, l'électroportabilité et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on se rend compte que la technologie avance très très vite, mais les compétences, ou du moins, les compétences tardent un petit peu à venir. Aujourd'hui, on a des soucis de recrutement, on a des soucis ne serait-ce que pour capter, séduire nos jeunes. C'est un petit peu le maillon manquant dans notre métier aujourd'hui. Je reçois les rares CV que je reçois. J'ai une moyenne d'âge de 45-50 ans. Je ne reçois quasi peu ou peu de CV dans la période de sortie scolaire, c'est-à-dire au mois de juin, juillet. Alors on peut le reprocher tout ça, bien sûr. J'aurais tendance à dire qu'on est aussi coupable, nous, entreprises, de pas être à côté d'eux, de ne pas être partenaire de leur formation, de ne pas être le parrain, le tuteur, quand ils ont besoin de nous, quand ils ont besoin de vision du métier. Aujourd'hui, je peux me reprocher, entrepreneur, de ne pas me préoccuper de la façon dont nos jeunes sont formés. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il faut absolument qu'on réduise l'écart entre la formation professionnelle et les entreprises. J'ai tendance à dire que entre leur période de sortie, l'obtention du brevet, du Graal, et nous, particulièrement dans la plaisance, nous on a la tête dans le guidon, donc on n'est pas captif, on n'est pas attentif à leur sortie, c'est-à-dire qu'on n'est pas à côté d'eux, on est complètement absent, on est trop absorbé par la saisonnalité de notre métier. Ce qui fait que, et ils prennent des vacances, hein, faut admettre qu'ils le méritent aussi. Donc on les oublie un petit peu, et quand arrive un petit peu le calme, les jeunes, on les a perdus de vue et c'est déjà trop tard. On n'arrive pas à les récupérer, ou à moins à les maintenir. J'insiste, je pense qu'on doit faire, nous, entreprise, notre mea culpa. Il faut qu'on fasse un effort à vraiment être présent dans tout le cursus scolaire. Je ne parle pas du dernier mois de juin après leur bac. Je parle même du premier jour quand ils rentrent dans ce lycée. Je pense que les entreprises doivent déjà être à côté d'eux, au travers d'un parrain, d'un parrain, tuteur, j'entends par là, mais de nominer un salarié ou même un représentant d'entreprise, un gérant, par jeune. Je pense que ce serait extrêmement important, ne serait-ce que
pour qu'ils aient un autre point de vue, une vision, et simplement qu'on soit là pour les booster. Je fais confiance au système scolaire, confiance à tous les enseignants, particulièrement ceux du lycée Éric Tabarly, qui sont vraiment très très engagés. Je dis bien, j'ai vu, ça fait maintenant, comme je vous disais, un peu plus de 30 ans que je connais ce lycée-là, et j'ai vu évoluer, j'ai vu partir les vieux de la vieille, comme on dit, et j'ai vu arriver une nouvelle génération d'enseignants qui sont extrêmement engagés. Pour certains, ils prennent de leur temps, même pendant les périodes de vacances, à aller dans les entreprises et à travailler dans les entreprises à leurs frais. Et ça, je peux les féliciter de ça. Et c'est vraiment particulier au lycée Éric Tabarly. On a vraiment des enseignants engagés. Et il faut être à côté d'eux et eux aussi les épauler. Et ça, c'est ce qui manque. Aujourd'hui, les entreprises critiquent trop souvent et remettent trop la responsabilité sur l'éducation nationale. Très souvent, j'entends « Ah oui, mais non, mais les apprentis, j'en prends plus, j'en ai marre, ils sont nuls, etc. etc. » Et je me fais fort systématiquement de leur dire « Mais qu'est-ce que tu as fait pour éviter ça ?» Et rien, en fait. Très souvent, ces gens qui se permettent de dire ça ne se remettent pas en question, ne se disent pas « Mais est-ce que j'ai fait quelque chose pour aider ces jeunes, pour aider... Ces institutions pour aider ces lycées. » Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui d'inviter les entreprises, d'inciter les entreprises à revenir et à se préoccuper de la façon dont nos jeunes, nos futurs collaborateurs, à être formés. Ça, c'est essentiel. Il faut inciter les entreprises à venir aider, épauler les enseignants et nos jeunes. Et ça, j'ai quelques solutions, je me permettrai de vous remettre ce que j'ai pu écrire, mais il y a quelques petites solutions qui ne coûtent rien. Ça ne coûte pas des formations supplémentaires, ça ne coûte pas des investissements, mais c'est simplement une cohésion de groupe, une cohésion d'équipe, et surtout avec un même et seul objectif, dynamiser, séduire et inviter nos jeunes vers nos métiers. On a des métiers très passionnants, la mécanique, effectivement la menuiserie, le polyester, les études, la chaudronnerie, et bien sûr, tout y est. On a vraiment aujourd'hui un concentré de métiers techniques dans le nautisme qui est extraordinaire. Mais il faut vraiment, aujourd'hui, on a besoin d'eux. La technologie évolue et ça n'avance pas suffisamment. Vous y répondez d'autant bien que vous participez régulièrement à des temps dans l'établissement où nos enseignants bénéficient des formations que vous donnez à vos salariés pour qu'ils puissent répercuter ces actualités-là aux jeunes derrière. La semaine de professionnalisation qui permet aussi aux jeunes de rentrer en contact avec un grand nombre d'entreprises est en la matière quelque chose qui... on n'est pas là en train de parler d'apprentissage par apprenti, soyons très clairs, on est en train de parler de lien où en fait l'entreprise, quel que soit le statut initial de l'élève ou du jeune, est présente aux côtés de l'établissement. Alors c'est clair, la semaine de professionnalisation, qui a été initiée ici, dans ces locaux, on invite donc les fournisseurs, les marques, et les professionnels à venir présenter leurs produits, mais à la fois c'est sous forme de stage, c'est-à-dire qu'on les forme sur un produit spécifique, ou alors sur une façon de travailler, ou alors sur l'actualisation de présentation, etc. Et aujourd'hui, ça match la majorité des jeunes. Qui ont pu participer à ces semaines de professionnalisation ont été marqués en disant « Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous l'a pas fait plus tôt ?» Aujourd'hui, on aurait tendance à dire que ces semaines de professionnalisation doivent être appliquées dès les premiers jours, je dirais, de la rentrée, et leur faire passer après des différentes semaines de professionnalisation qui pourraient éventuellement valoriser, je dirais, diplômer même, ne serait-ce que pour, en plus,
enfin recevoir des CV un peu différents des uns des autres. Aujourd'hui, un CV, ils sortent, ils ont eu la même formation, donc les CV ne se différencient pas. Et aujourd'hui, si on valorisait ces semaines de professionnalisation, on aurait enfin des jeunes qui, en plus, qui naturellement se motiveraient à avoir des diplômes supplémentaires. Voilà. Merci. Juste une petite. J'ai pas parlé de l'apprentissage. Aujourd'hui, on s'échine en grande partie toutes les entreprises que je représente, en l'occurrence celle des Sables d'Olonne. Ça représente 27 entreprises qu'on a regroupées autour d'une association. On s'échine tous plus ou moins à prendre des apprentis. Mais aujourd'hui, assez naturellement, les apprentis font leurs 3 ans de formation chez nous. Et assez naturellement, c'est générationnel, ils ont envie d'aller voir ailleurs. Ils ont la bougeotte, on ne peut pas leur en vouloir. Mais le seul problème, c'est qu'on n'est que quelques entreprises qui s'engageons avec des apprentis. Il n'y a pas assez d'entreprises qui prennent des apprentis. Et on n'a pas le retour sur investissement, si vous voulez. Et j'ai une vision qui est ce qu'elle est, mais si seulement on invitait toutes les entreprises... Un exemple, ayant à minima 6 à 7 salariés, à les obliger à avoir un apprenti. Au moins, on ferait un vivier de compétences. C'est-à-dire que naturellement, l'apprenti formé irait obligatoirement dans l'autre entreprise qui s'est donné la peine, elle aussi, de former. J'entends par là, il faut obliger un petit peu, changer un petit peu ce système de libre choix de prendre un apprenti. Ça devrait être aujourd'hui obligatoire. Juste une parenthèse là-dessus. D'abord, merci de cet engagement et ce que vous venez de dire auquel je ne saurais trop souscrire, parce que tout ce qu'on est en train de se dire et de faire ne fonctionne que s'il y a des femmes et des hommes comme vous qui sont engagés, qui considèrent que diriger une entreprise, c'est aussi une fonction sociale et dans la vie de la nation. Je voulais juste répondre à votre point sur l'apprentissage, si je peux me permettre, et exprimer peut-être un désaccord sur la méthode. Moi, je crois totalement à l'apprentissage et je pense que, j'y reviendrai tout à l'heure, la réforme qu'on veut faire sur le lycée professionnel s'inspire beaucoup, en tout cas tire les enseignements positifs, parce que ce sont des jeunes qui sont un peu différents, qui sont plus jeunes que les jeunes qu'on met en apprentissage, le cadre n'est pas le même. Mais on avait une faiblesse française historique qui était qu'on avait beaucoup moins d'apprentis que les Allemands, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et il y avait des programmes présidentiels pendant des décennies et des décennies qui disaient tout faire pour atteindre 500 000 apprentis en France. On a fait une réforme il y a 5 ans, qui a consisté, d'ailleurs on a un peu bousculé, je dis ça pour nous tous, hein, l'apprentissage était pris dans des jeux de positionnement, comme on sait trop le faire en France, un peu institutionnel. On disait qu'il faut que ce soit à l'éducation nationale, non plutôt au travail, non à la région. Non plus. En fait, on a fait un geste de confiance, on l'a remis aux branches professionnelles. Et l'apprentissage, c'est les branches professionnelles qui ont redéfini beaucoup plus ce qui était attendu, aussi les règles de travail, etc., parce qu'il y avait des aberrations, il faut bien le dire, qui avaient un peu cassé le système. On a fait une deuxième chose, c'est qu'on a simplifié massivement les systèmes. Comme il y avait beaucoup de divisions institutionnelles, il y avait 4 régimes d'aide. On en a fait un seul. Et on l'a un peu amélioré, puis on a beaucoup défendu pendant la période Covid. On est passé de 250, 260 000 apprentis par an à 720 000 apprentis, malgré le Covid, malgré l'épidémie. Donc ça veut dire que sans se donner un objectif, on a dépassé même tout ce qu'on pouvait imaginer, et je pense que si on continue la mobilisation, on peut aller vers 1 million. Mais ça ne marche que si on ne force pas les gens. Et donc, vous y croyez, et j'ai besoin de... Plus il y aura de gens comme vous, évidemment, plus vous aurez le retour. Vous êtes dans un bassin d'activité, les chiffres ici font envie à toute la France, il n'y a pas de chômage du tout, il n'y a même quasiment pas de chômage frictionnel, donc c'est vrai que les gens partent plus facilement. Ce que vous vivez là... Tous les bassins d'emploi ne le vivent pas. Il y a aussi beaucoup d'endroits en France où une entreprise qui a formé un apprenti, elle va le garder. Mais si demain, la réponse que j'apportais au problème que vous évoquiez était de dire on va rendre l'apprentissage obligatoire dans les entreprises, on aura un effet de rejet. D'abord, on aura beaucoup de problèmes avec des jeunes parce que c'est un accord. Hein, il faut que le patron en ait besoin, en vie, sache encadrer le jeune et le former. Il faut simplement qu'on continue à développer et Le meilleur moyen, c'est le discours que vous venez de tenir, et c'est aussi ce que disait monsieur, c'est le valoriser. Pourquoi ça marchait en Allemagne ? Les gens sont simples, hein, on est tous très simples. J'ai regardé ce qu'avait fait
le patron. Quand le patron a fait apprenti, on se dit c'est une bonne filière. C'est l'exemple. En Allemagne, beaucoup de cadres, en effet, ont fait de l'apprentissage, sont rentrés par l'apprentissage. C'est pour ça que ce qu'on a commencé à faire et qu'on va continuer à développer, c'est qu'on a développé dans les filières d'excellence l'apprentissage. Quand on met aussi de l'apprentissage et l'accès à l'emploi dans les études supérieures ou dans certaines filières, et qu'on ne le laisse pas simplement à des filières dites techniques ou qui ne sont pas suffisamment valorisées dans notre pays, on change les mentalités. Et donc, il faut simplifier ce qu'on a fait. Il faut avoir un système d'aide qui correspond aux besoins, c'est ce qu'on a fait. Et là, on a corrigé les mécanismes où il y avait eu un peu trop parfois d'aide, ce qui avait créé des effets un peu étonnants. Et troisième chose, il faut le valoriser culturellement dans l'esprit des entrepreneurs, des employeurs et des familles. Je pense que si on continue à pousser ce qui a été fait, on peut très facilement arriver à ce million et permettre à des entreprises comme vous d'avoir des apprentis formés ailleurs, parce que plus de gens, j'allais dire, joueront le jeu, prendront leur part. Au fond. Mais je vous remercie de le faire. Mais tout ça pour dire très clairement que je ne crois pas au caractère obligatoire. Je ne veux pas être plus long. Monsieur le Président, je vous propose d'écouter Mathias parce que sa situation nous permet de continuer en tout cas la thématique actuelle. Vous allez décrire votre parcours, Mathias, mais ce que l'on peut trouver de complémentaire entre l'action du lycée professionnel et la partie apprentissage, c'est aussi la notion de souplesse qui nous est permise lorsqu'on estime, en tout cas, que parmi un certain nombre de jeunes, on parlait ensemble tout à l'heure de profil de certains jeunes. A priori, sauf s'il est très stressé, Mathias est quelqu'un de plutôt à l'aise, en tout cas, pour parler. Il arrive à prendre des initiatives. On voit que le profil qu'il avait pour aller vers l'apprentissage nous paraissait un élève déjà prêt pour ça. Peut-être que d'autres plutôt ont besoin encore de l'environnement que peut leur proposer le lycée sous une forme scolaire et initiale. Et donc cette souplesse de pouvoir à la fois sécuriser un parcours si jamais l'apprentissage ne fonctionnait pas et d'avoir un retour en classe, eh bien vous allez peut-être nous en parler, Mathias, sur votre parcours. Je vous laisse la parole. Alors bonjour, bonjour Monsieur le Président. Je me présente, je suis Mathias Piau, élève au lycée Éric Tabarly depuis 2019. Où j'ai pu intégrer le bac professionnel maintenance nautique, où j'ai fait ma seconde, ma première en parcours traditionnel en contrôle continu. Et c'est en terminale que j'ai pu accéder à l'apprentissage proposé par mes professeurs et par les dirigeants du lycée. Et c'est en terminale que j'ai fait mon apprentissage chez RC Marine au Sable d'Olonne, juste à côté du lycée. Et c'est cette année que j'ai pu rentrer dans la FCL qu'on m'a proposé, qui était un peu une suite logique au parcours que j'avais pu faire. Donc moi, personnellement, je pense que c'est le fait d'être rentré en apprentissage, ça m'a fait voir un peu une autre vision de l'entreprise, une autre vision de la maintenance nautique, le domaine qu'on apprend ici. Et j'ai réfléchi. Et je pense que c'est l'apprentissage qui m'a fait redécouvrir le métier et qui a fait qu'aujourd'hui, je pense avoir les capacités, grâce à l'EFCL que je vais pouvoir poursuivre cette année, me faire entrer au moins dans le métier que j'aime bien et dans les choses que j'apprends aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, vous parlez de FCIL, donc on disait formation complémentaire, c'est une initiative locale parce qu'elle doit répondre à un besoin local. Est-ce que vous pouvez nous donner concrètement, quel est votre quotidien? Vous avez commencé la FCIL, je crois, la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça se passe entre l'établissement et l'entreprise? Qu'avez-vous fait, par exemple, la semaine dernière dans l'établissement? La FCIL, déjà, on a commencé mardi dernier. Lundi, j'étais en entreprise. Mardi, on a eu la chance de pouvoir naviguer. On est parti directement avec un skipper du Vendée Globe et un intervenant de chez Beneteau. On a pu naviguer dans la baie des Sables, qui était d'ailleurs très agréable. Et ensuite, on a eu une journée d'atelier entière où ils nous ont présenté un peu ce qu'on ferait cette année en apprentissage, en FCL, pardon, et ce qu'on fera en atelier. Donc déjà, on aura les cours de maintenance nautique qu'on a depuis la seconde. Et on aura également des cours de menuiserie et des cours de chaudronnerie qui nous permettront de pouvoir exceller dans ce qu'on fait déjà, qui est très intéressant. Et des cours traditionnels tels de l'anglais, mais de l'anglais technique comparé aux autres années. Et qu'est-ce qu'on a? Et on continuera avec Madame Joanneau sur des cours de culture marine, qui est une première pour nous. C'est super.
Vous savez ce que vous voulez faire après déjà ? Pour moi, plus tard, c'est encore un peu flou, je pense. Mais je pense que déjà continuer, dans ce que Tabarly, le lycée Eric Tabarly m'a fait découvrir le domaine de la maintenance nautique, qui regroupe plein de différents sujets. Donc, pour l'instant, je ne sais pas encore vraiment, mais c'est le fait de pouvoir voir la FCL qui nous fait voir entre la mécanique, la plasturgie, la pose d'équipement. C'est tout ça qui regroupe, qui fait notre métier. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop encore. Vous avez été combien sélectionné par la FCL ? On a été 9 cette année à être sélectionnés pour la FCL, dont 2 en moi et un ami qui étions en apprentissage l'année dernière. Il faut remercier ici le rôle du campus des métiers et des qualifications du nautisme. Initialement, cette FCIL, elle est purement éducation nationale. Cela veut dire que Mathias, qui l'année dernière était en apprentissage, si jamais il intégrait cette filière-là, ça veut dire que le statut qu'il avait, avec malgré tout une forme de salaire qui arrive à ce moment-là, allait s'arrêter si jamais nous n'arrivions pas à mettre un contrat sous forme de contrat de pro durant la FCIL. Et on a pu, avec la FIN notamment, pouvoir un peu développer ce type de contrat. Donc on reste sur une identité éducation nationale, un financement éducation nationale, mais avec 2 personnes qui ont pu continuer en contrat pro. Merci beaucoup. Merci bien. Vous voyez, c'est très bien passé finalement. Hein ? Ouais. Margot, vous êtes très bien placée entre 2 ministres. Nous allons débuter et on sera très questionnant parce que vous avez plusieurs casquettes dans cet établissement. Alors vous faites partie des TAPS Girls peut-être, vous nous expliquerez ce que sont les TAPS Girls au lycée Tabarly. Vous êtes une jeune fille qui est scolarisée, vous nous le direz dans une certaine spécialité. On aimerait savoir en fait comment vous êtes arrivée dans cette filière-là et quels sont vos souhaits après votre diplôme. On vous laisse la parole. Déjà, bonjour Monsieur Macron. TAPS Girls, c'est le regroupement de toutes les filles du lycée. Donc on peut faire des petites réunions à l'intérieur ou faire des... On est 14 cette année, il me semble. Donc on peut faire des réunions à l'intérieur du lycée ou des sorties externes comme on a fait hier, une sortie paddle, enfin pirogue comme celle qui est devant l'atelier. Donc c'est une sortie où on est toutes les filles toutes ensemble, on apprend à se connaître, on apprend à lier des liens tout ensemble pour se maintenir. Enfin, quand, par exemple, un garçon peut embêter une fille, on est toutes là pour se soutenir. Ce qui n'arrive jamais. Voilà. Vous avez aussi une forme de force de conviction auprès des collèges, je crois. Oui, l'année dernière, on est allé visiter un établissement scolaire, donc un collège, pour présenter la maintenance, enfin le lycée, et dire que ce n'est pas seulement des métiers pour les garçons, c'est aussi pour nous. Mais si on est moins nombreuses, on est là et il faut venir en force pour qu'il y ait de plus en plus de filles. Donc ça a marché cette année. Donc, l'année dernière, nous étions une dizaine, il me semble. Nous avons 4 filles de plus, donc c'est bien. Bravo. Après, moi je suis venue dans ce lycée en espérant poursuivre vers la marine, donc en tant que plongeur des mineurs ou plongeur de bord. Donc je vais continuer jusqu'à l'année prochaine en essayant de m'améliorer le plus possible, passer mon bac pro et partir à Simone Veil, faire une FCIL maintenance navale et subaquatique. Donc là. Et qui est civile ? Ça c'est une formation civile ? C'est une formation directement en lien avec la marine, donc après je rentrerai dans la marine avec un niveau plus haut que la moyenne. Et comment avez-vous connu le lycée Tabarly ? En faisant des recherches pour justement poursuivre ensuite dans la marine. En cherchant un lycée en lien avec la marine, l'océan, les bateaux et tout ça. Grâce à mon beau-père qui m'a appris cette passion du voilier. Et vous êtes d'où ? Entre Nantes et Angers, je suis pile au milieu. En SNI, je ne sais pas si vous connaissez. Vous êtes interne. Oui, interne. Est-ce qu'elle est interne ici ? Vous faites partie de la centaine d'internes qui sont dans le lycée. Oui, et nous sommes 5 filles, peut-être plus, je ne sais plus. Je ne sais plus. Il faut une centaine à être interne. Je parlais des filles. Oui, des filles et une centaine. L'internat est un sujet
on ne peut plus important. Nous sommes dans un environnement qui est un bassin sur la notion d'emploi maritime, par exemple. On voit que l'accès au logement, en tout cas, est une question importante pour à la fois des bacheliers, mais également les personnes qui arrivent en FCIL, ici, pour des BTS également. L'été, l'établissement accueille un certain nombre de saisonniers de façon à leur faciliter l'accès à des métiers, en tout cas de saison. Mais l'internat est véritablement un outil qui permet de rallier finalement l'ensemble des points que nous avons vus sur cette table ronde. Elle lutte pour la persévérance scolaire, ça nous permet d'avoir des temps spécifiques pour ces jeunes. Elle permet de pouvoir trouver un stage dans un lieu qui n'est pas forcément sur le lieu de son domicile. On s'arrange pour que les déplacements puissent être possibles. Et elle permet un collectif, elle permet de aussi se grandir pour pouvoir après intégrer soit une poursuite d'études, acquérir des méthodes de travail et permettre de pouvoir poursuivre son parcours. L'internat, avec son aile spécifique filles, quel que soit le nombre de filles, et c'est important, est une des réponses en tout cas à cette problématique. Nous en avons terminé en tout cas avec les intervenants. Merci beaucoup. Je vous propose d'avoir le mot de la fin. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier, monsieur le proviseur, vous ainsi que l'ensemble des équipes pédagogiques et de tous les personnels du lycée, parce qu'on a été admirablement reçus. Et je dois dire, je veux aussi remercier l'ensemble des élèves, parce que j'ai vu beaucoup, nous avons vu avec les ministres, beaucoup d'enthousiasme. Et on sent des élèves et des profs qui sont heureux d'être là. Je le dis, et c'est pas... Je pense qu'après quelques heures, ça ne peut pas être du chiqué ni totalement fabriqué. Donc merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Moi, je suis heureux de retrouver la commune dans des temps, on le disait, plus heureux qu'il y a quelques années. Et je veux remercier l'ensemble des élus parlementaires présents, les maires aussi du département qui sont là. Et remercier le département et la région. Merci, madame la présidente, parce qu'on est dans un lieu qui... où la région contribue grandement, et je veux souligner ce point, nos régions sont très investies dans nos lycées, tout particulièrement dans nos lycées professionnels, et vous avez vu tout à l'heure d'ailleurs des chefs d'atelier et enseignants qui vous remerciaient pour les investissements faits, et je vous remercie aussi de ce partenariat et de cette action qui est très importante. Au fond, si nous sommes là avec les ministres, c'est pour partager peut-être quelques convictions et constats, et puis, à la lumière d'ailleurs de ce que vous venez de dire, essayer de donner à voir les prochains mois. Le lycée professionnel, on en parle très rarement, trop rarement, dans nos débats. Or, c'est à peu près un tiers des lycéens. Donc c'est un énorme sujet dans la vie de la nation et de notre jeunesse. Énorme. Et vous l'avez très bien décrit, trop souvent ça a été ou stigmatisé, ou vu comme une filière qui n'était pas forcément choisie. Or, si on s'organise bien, ça peut tout à fait être le fruit de choix. Mademoiselle, vous l'avez parfaitement décrit, c'est un choix. Vous avez un choix de vie, un choix de métier, et vous avez sélectionné une formation à quelques centaines de kilomètres de chez vous pour le faire. Ce n'est pas par défaut que vous êtes là. Et on peut aussi permettre à beaucoup de jeunes de choisir cette formation. Simplement, aujourd'hui, la difficulté que nous rencontrons, si on regarde les choses en face, c'est que, d'abord, il y a cette image qu'il faut absolument qu'on... n'arrive à complètement revisiter. Je trouve que votre lycée, par l'image qu'il donne, l'énergie qu'il y a, l'association aussi des entreprises, merci d'être là, et on a vu aussi l'engagement du tissu entrepreneurial et industriel de la région, doit nous aider à le changer. Ensuite, quand on regarde les chiffres, le lycée professionnel aujourd'hui reproduit par trop les inégalités sociales. Il faut qu'on le regarde en face, ce problème, c'est-à-dire que il y a beaucoup plus en moyenne de fils et filles d'ouvriers dans les lycées professionnels qu'il y a dans le reste de l'éducation nationale. Il y a beaucoup moins d'ouvriers de cadre qu'il y en a dans le reste de l'éducation nationale. Et ça montre plutôt que c'est notre système reproduit les situations de départ et ne rebat pas assez les cartes. Ça ne doit pas être une fatalité. Et ensuite, on a un vrai problème, et à cet égard, votre lycée n'est pas totalement représentatif de la réalité des lycées professionnels de notre pays partout, c'est que quand on regarde les débouchés, on a trop peu de nos lycéens qui accèdent à des emplois ou à des formations post-bac qu'ils choisissent.
beaucoup moins choisissent des formations post-bac qu'ailleurs, et il y en a encore beaucoup trop qui les choisissant ne vont pas y être sélectionnés, ou quand ils seront sélectionnés, ne vont pas y réussir. Ça, c'est l'état dont on part. C'est la faute à personne, c'est la faute à une mauvaise organisation collective, et si on ne la regarde pas en face, il n'y a aucune chance qu'on la règle. Parce qu'à côté de ça, quand les choses sont bien organisées, qu'on sait changer la culture et qu'on a tous les acteurs du terrain qui s'engagent, vous en êtes l'exemple vivant, ça marche. Donc, nous, notre défi collectif, c'est comment on fait au fond que les belles histoires qui ont été décrites aujourd'hui, on puisse les généraliser et réussir à transformer ce qu'est le lycée professionnel dont on a besoin pour la vie du pays. La première chose, ça rejoint le début de notre discussion, c'est qu'on doit mieux, ça ne concerne pas que le lycée pro, mais ça s'articule avec une réforme importante que porte le ministre, c'est comment on oriente mieux. Et orienter n'est pas un gros mot, et contrairement à ce que j'ai entendu dans les débats qu'on a pu avoir il y a quelques mois, où quand j'ai dit on va mieux orienter dès la cinquième, on a dit, ah, horreur, on va enlever les élèves du collège pour les faire travailler dès la cinquième, c'est tout l'inverse. Il faut mieux informer les élèves et les familles pour qu'ils choisissent mieux plus tard. Mais aujourd'hui, quelle est la situation? On a trop de familles qui, à la fin de la troisième, on leur dit, pop, 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 dans la voie académique, c'est pas une bonne chose. On les pousse vers le lycée pro de manière, des filières pro, de manière, entre guillemets, subie. On les a trop peu informés. Et je ne parle pas de tous nos élèves, y compris dans le lycée général, qui parfois, avec leur famille, se trouvent devant Parcoursup, qui a amélioré les choses, on l'a oublié, par rapport à APB, moi je m'en souviens, il y a 5 ans. Mais il n'y a aucun logiciel, aucun système qui aidera à choisir quand on est face à ce vertige, qu'on n'a pas de réseau, qu'on n'a pas été bien informé, et on se dit, mais qu'est-ce que je dois choisir pour mon enfant? Qu'est-ce qu'il va choisir? Tout ça, il y a une réponse qui correspond à ce que vous disiez, Madame Joannot. C'est de mieux informer plus tôt. Et donc, ce qu'on veut lancer, c'est dès la cinquième d'avoir ces journées avenir professionnel, et c'est là où on va avoir besoin de vous, hein, Monsieur Gouen-Marine, c'est que nos entreprises, avec nos élus, et là, les régions, les départements, les communes, mais les régions chefs de filât vont jouer un rôle clé, c'est qu'elles rentrent dans l'école, enfin, en l'espèce dans le collège, et qu'elles viennent apprendre à nos jeunes collégiens, se faisant à leurs familles, à leurs enseignants, eh bien, quelle est la réalité de la vie professionnelle, des besoins et des métiers? Parce que beaucoup de nos jeunes ne savent pas ce que sont les métiers, ne savent pas ce qu'il y a juste à côté d'eux, des opportunités. Donc ça, c'est ce qu'on veut pouvoir faire dès la cinquième, et généraliser des initiatives comme la troisième que vous nous avez décrite, qui permet aussi d'améliorer l'orientation et de mieux préparer ensuite. Pour moi, ça, c'est le premier pilier de cette réforme. Le deuxième, c'est au fond de tordre le cou à une idée reçue. Nous adorons les débats doctrinaux, parfois on les adore trop, et au fond, on devrait toujours être sommé de choisir entre les savoirs fondamentaux et se préparer à avoir un métier. Moi, je revendique qu'on a le droit de faire les deux en même temps, et que c'est d'ailleurs la vocation de l'école. L'école, c'est pas, et c'est vrai aussi pour le lycée pro, simplement former quelqu'un à des besoins immédiats et à un besoin professionnel. Parce que si c'est ça, le jour où il y a une catastrophe industrielle dans une région et qu'on n'a pas les savoirs fondamentaux, on ne peut pas se réorienter, se reformer dans sa vie. Ce serait une vue complètement court-termiste. Et l'école, ce n'est pas simplement non plus former des citoyens qui apprendraient des valeurs et des savoirs qui n'ont rien à voir avec la vie professionnelle, parce que ce serait une drôle d'école que celle qui ne déboucherait que sur de la non-activité ou des choses qui ne sont pas... Il n'y a pas de potentialité. Il faut faire les deux. Et donc, oui, le rôle de l'école, c'est d'inculquer les savoirs fondamentaux, de les transmettre, de former à l'esprit critique. Vous avez employé cette formule, et j'y adhère. Je dirais dans le même temps de donner de la confiance à nos élèves et de permettre de préparer à des métiers. Et c'est comme ça qu'on fait des citoyennes et des citoyens. Et c'est tout ça en même temps. Et c'est vrai pour l'école, le collège, le lycée pro. Et moi, je n'ai pas envie de choisir, et je n'ai pas envie qu'on nous oblige de choisir. Et donc, on va... C'est ces deux principes qui vont nous conduire à faire la réforme. Ce qui veut dire qu'on doit améliorer nos chiffres, améliorer notre orientation, mais faire aussi qu'on ait des élèves qui aient encore mieux les savoirs fondamentaux dont ils ont besoin quand ils sont en lycée pro, et évidemment, soient encore mieux préparés à la vie professionnelle et aux besoins de la vie professionnelle. Ce faisant, le chantier de la réforme du lycée pro qu'on va lancer va d'abord nous conduire, et ça, ce sera un travail qu'on va faire main dans la main avec les régions, et nos rectorats, nos régions vont avoir une très grosse responsabilité, on va devoir revoir la carte de nos formations.
Parce que là, si je puis dire, c'est l'appartement témoin aujourd'hui. C'est souvent comme ça dans un déplacement du président de la République, pour vous dire les choses. Mais vous avez des formations que j'ai pu voir, que vous avez décrites, elles correspondent au tissu d'activité du bassin d'emploi. C'est super. Et donc, vous avez des jeunes qui sont exposés au métier nautique, dont c'est la passion, ils vont pouvoir faire ça. Vous avez un tissu encore de PME, d'ETI dans le secteur automobile. Certains y vont. Vous avez des besoins dans la menuiserie qui ont des liens avec le nautique. Vous avez des entrepreneurs. C'est pour ça que ça marche. Parce que les formations qui sont ouvertes ici correspondent aux besoins. Et donc, c'est pour ça que vos jeunes trouvent des maîtres de stage et des entreprises et derrière des débouchés. Sauf que ce n'est pas vrai partout. Et nous avons aujourd'hui dans notre pays, il faut qu'on ait l'honnêteté, il faut le faire de manière extrêmement lucide, apaisée et bienveillante, mais il faut qu'on regarde formation par formation dans nos régions et qu'on se dise, il y a des formations où on le voit, depuis plusieurs années, les jeunes qui sortent de telles filières ont énormément de mal à trouver un emploi, voire n'en trouvent quasiment plus. Ça veut dire que ces formations ne correspondent plus à des besoins. Et donc là-dessus, il faut avoir le courage de dire, on va les revoir, on va donc être amené à fermer certaines formations, mais à en ouvrir d'autres, parce qu'à l'inverse, on a des besoins, vous avez parlé de l'évolution de vos métiers, on sait qu'on manque de formation. On en parlait avec le ministre et la ministre, dans les métiers de la rénovation thermique, qu'on est en train de développer si fortement. On a besoin de métiers. Dans la chaudronnerie, je trouve que vous en avez là, on en a énormément besoin. Dans les métiers de la mobilité, de l'hydrogène, on en a besoin. Et vous avez dit une chose qui est très juste et qui est un peu un des paradoxes des choix qu'on a fait ces dernières années, c'est qu'on a beaucoup mis sur la formation continue, sur la formation des demandeurs d'emploi, on va continuer de le faire, des compétences, mais qu'on n'a pas assez changé le système sur la formation de nos jeunes. Et donc, sur ces nouveaux besoins de la nation et ces filières professionnelles qui ont ces besoins que j'évoque, on n'a pas assez changé l'offre qui existe dans l'ONLUCE Pro. Et donc, là-dessus, on va devoir reformer nos enseignants, réussir à associer aussi... Alors, il y en a qui ont des filières qui ont... Il y a largement des besoins, il faut en développer. Mais donc, on va regarder la carte des compétences, des besoins, pardon. On va adapter ensuite notre offre et donc former, accompagner des enseignants et des professeurs pour se réorienter vers ces filières s'ils le peuvent. Avoir aussi des professeurs associés qu'on va... associés justement à cette réforme pour nous aider eh bien, à injecter, si je puis dire, leurs compétences dans le lycée professionnel, parce qu'on en a besoin, on a besoin d'eux parfois pour quelques années, pour nous aider à aller vers ces nouveaux métiers. Et pourquoi on a besoin de faire ça? D'abord pour réussir la mission, et pour un peu, là aussi, conjurer cette espèce de fatalité dans laquelle on s'est installé, qui voudrait que, quoi qu'ayant du chômage, on a encore des filières qui sont non pourvues. Quand des filières sont non pourvues, c'est qu'il faut faire des réformes. On est en train de les faire sur l'indemnisation chômage, sur le monde du travail avec France Travail, et on va en faire d'autres. Mais on a besoin de faire cette réforme du lycée pro. Et ce n'est pas un hasard si vous avez une ministre déléguée qui est en charge de cette réforme auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, mais également rattachée au ministre du Travail, parce que c'est les deux ensemble qu'il faut tenir. Et donc, ce qu'on va lancer dans les prochains mois, c'est une consolidation donc, de ce qu'on sait bien faire, sur la base d'ailleurs d'exemples comme le vôtre. C'est ce renforcement, je le disais, de l'orientation. C'est donc une cartographie, en quelque sorte, des besoins de la nation, bassin d'emploi par bassin d'emploi. C'est de pouvoir évaluer nos différentes filières. Et c'est de pouvoir, avec nos lycées professionnels, sur les semestres qui suivront, voir comment on ouvre de nouvelles formations et comment on ferme les formations qui n'offrent plus de débouchés. Et accompagner, ce faisant, l'ensemble de nos enseignants, nos professeurs, vers la transformation de ces besoins. Alors, il y en a certaines ou certains, par exemple, comme vous, si j'ai bien compris, qui n'auront aucun impact là-dessus, puisque vous êtes sur les formations de savoirs fondamentaux avec des compétences multiples. Et donc, ça, on en aura toujours besoin, on va plutôt les renforcer. Mais on va avoir besoin d'avoir de nouvelles compétences, d'associer des professeurs associés, d'embaucher de nouveaux professeurs, d'aider à la reconversion de certains autres. À côté de ça, l'autre grande transformation qu'on veut faire, à la lumière de ce que d'ailleurs beaucoup de jeunes m'ont dit aujourd'hui, de ce que vous avez évoqué, c'est d'essayer d'accroître le temps de stage, parce qu'on voit qu'on apprend quand même beaucoup et qu'il y a beaucoup de synergie avec l'apprentissage ensuite et avec l'enseignement
pratiques qu'on a dans le lycée professionnel, de le rémunérer. Et je pense que c'est un élément très important, la gratification, parce que c'est aussi un élément de respect, je pense, de valorisation pour les jeunes comme pour leurs familles. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et donc, il faut qu'on ait aussi le bon système d'accompagnement. Et il y aura un investissement de la nation, parce qu'on ne peut pas demander aux entreprises de, évidemment, prendre ça en charge en majorité. Et d'avoir quelque chose, d'avoir un système, au fond, qui, un peu comme vous l'avez fait, d'ailleurs, avec les initiatives locales que vous avez prises, se rapproche de l'apprentissage et quelque part entre le stage, de, si je puis dire, initial du lycée professionnel et l'apprentissage, qui est un peu ce que Mathis nous a décrit tout à l'heure. Et donc ça, on va le développer, ce qui suppose aussi de repenser ensemble une meilleure organisation du temps d'apprentissage scolaire pendant la période. Et donc de pouvoir mieux aménager le temps d'apprentissage, un peu d'ailleurs comme vous le faites dans votre troisième, en dédoublant peut-être mieux les classes, en séquençant les temps de stages qui seront rémunérés de nos élèves pour vous permettre d'avoir des classes dédoublées dans l'établissement. Mais ça, on va, pour ça, à la fois concerter, peut-être expérimenter et s'appuyer aussi sur les expériences locales, parce qu'il y a certains de vos collègues qui le font. Vous, vous avez pris des initiatives. Et donc, cette approche, il ne faut pas qu'elle tombe d'en haut et qu'elle soit monolithique. Il faut qu'on regarde en quoi elle s'adapte à la réalité des besoins du terrain, des employeurs aussi, à la réalité des enseignants, et ce que les enseignants vont dire. Qu'est-ce qui leur permettrait de mieux faire ? Et nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi que les enseignants du lycée professionnel nous disent, moi j'ai entendu ce que certains m'ont dit, ils disent, les classes sont énormes, et ce qui est vrai, vous avez des classes qui sont très importantes, et donc dans le temps parfois où les élèves reviennent en lycée pro, alors qu'ils peuvent avoir certaines difficultés, vous allez avoir des élèves, des classes avec des élèves de 30, 32, parfois 34, pour faire des maths avec plusieurs élèves qui peuvent être en difficulté. Est-ce qu'on ne sait pas mieux organiser collectivement le temps durant l'année scolaire, où on pourrait dédoubler ces classes et se dire, bah, cette classe de 32, elle ne fait pas son stage, qui donc aura changé en même temps, ce qui permettra d'avoir le temps de français, de maths ou autre, bah, dans une classe qui est deux fois moins nombreuse, ce qui, sous votre contrôle, quand on a des élèves qui parfois ont des difficultés, marche mieux. Et ce que je veux, en fait, c'est qu'à travers cette réforme, d'ailleurs, dans l'esprit que le ministre poursuit pour la réforme plus large de l'éducation nationale, on puisse laisser plus de liberté pédagogique correspondant aux besoins du terrain et à ce que les enseignants voient de leur expérience en leur laissant mieux faire et donc en leur laissant plus de latitude et de liberté. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais ce que je voulais clarifier, c'était ça, et qui correspond, moi, à ce que à la fois vous m'avez dit ce matin et ce midi, et en ce début d'après-midi, ce que vous avez dit là, par rapport à votre interpellation. Moi, je crois au lycée professionnel, sinon je ne serais pas là et je n'aurais pas décidé d'en faire une des réformes phares. Et quand on voit qu'on a un tiers de nos jeunes qui passent, de nos lycéens qui passent par le lycée pro, notre devoir, c'est de le rendre plus fort. Et donc, il y a des exemples formidables comme celui du lycée Tabarly. Il y a des lycées qui sont en grande difficulté parce qu'ils ont des bassins d'emploi qui sont beaucoup plus sinistrés, beaucoup plus durs, parce qu'ils sont sur des filières qui sont moins porteuses. Et donc, cette grande transformation qu'on va faire tous ensemble, franchement, notre pays la mérite, et toutes celles et ceux qui croient dans le lycée professionnel la méritent. Donc voilà un peu les grandes bases, à la fois de l'orientation, de la réforme de nos lycées professionnels qu'on va faire, et on va la faire, vous l'avez compris, avec l'ensemble des directrices, directeurs d'établissement, les enseignants, les élèves, parce que je les ai entendus, y compris ce midi, ils ont des idées très claires quand ils viennent ici, les familles et les parents d'élèves, c'est très important, les collectivités locales et au premier chef les régions, parce qu'elles ont ce rôle à nos côtés en particulier pour bien établir la carte des besoins à l'échelle d'une région, et elles ont ce rôle dans les lycées pro, avec l'ensemble des élus aussi, parce qu'à l'échelle de ville, de métropole, c'est très important d'avoir cette dynamique, et avec l'ensemble du tissu des entreprises qui joue un rôle clé et dont j'ai vu l'intimité que vous aviez ici, et qui n'est pas toujours le cas, mais qui est ici un point très fort. Et c'est aussi pour ça que ce que vous avez fait, c'est-à-dire associer à la gouvernance et aux décisions du lycée les entreprises de la région, les principaux employeurs, les associer à vos choix, les mettre dans l'intimité, est clé. Et donc, c'est avec tous ces partenaires que l'Éducation nationale va conduire la réforme, sous l'autorité du ministre et de la ministre déléguée. Et donc, nos rectorats, avec vous, on va la poursuivre. Et donc, dans les prochains mois, il y aura un énorme travail de concertation qui va se faire pour définir tout ça, parce que ça ne va pas tomber d'en haut. Et cette concertation, elle va partir du terrain, comme d'ailleurs le reste de la réforme de l'éducation nationale.
Et donc, elle va se nourrir dans les prochains mois. Et les ministres vont régulièrement, d'ailleurs, informer tout le monde de ce qui remonte, des ajustements. Je pense que, d'ailleurs, il ne faut pas s'interdire qu'elle rentre en vigueur de manière très progressive, avec peut-être des expérimentations qu'on va assumer dans telle ou telle région, de les évaluer, de regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, et d'accepter que ce soit un chemin complet, parce que personne n'a la vérité révélée. Mais on sait ce qui marche, on sait ce qui marche moins bien, on sait que c'est une force, et surtout on sait qu'il y a énormément d'enthousiasme. Voilà. Donc merci de nous avoir accueillis. Et est-ce que j'ai oublié, monsieur le ministre, madame la ministre, quelque chose d'essentiel, ou est-ce que j'ai dit une bêtise ? J'ai oublié un truc. Donc vous allez lancer tous ces travaux, en plus de tout le reste, monsieur le ministre. Et donc, de manière très régulière, vous serez informé et on va revenir vers vous. Mais surtout, on va vous associer, parce que vous allez bâtir cette réforme avec à la fois votre expérience de terrain, mais ce que vous voudriez faire. J'ai essayé de lancer quelques pistes, mais je suis sûr que vous en avez plein d'autres. Je ne serai pas plus long. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci, madame la ministre déléguée aux formations professionnelles. Je vous laisse le choix, peut-être, non pas entre ou entre, vous verrez. Est-ce que vous souhaitez ou pas prendre une question, peut-être, là. Et puis, je crois qu'il y a une volonté d'avoir aussi une photo avec l'ensemble des jeunes. Peut-être pourrions-nous faire les deux. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, par qui je commence ? Je vous laisse faire. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre. Monsieur le Ministre, merci de votre venue en Vendée. Je me présente, Lucie Amélino. Je suis la présidente de la CAPEB Vendée, Confédération artisanale du bâtiment. Donc, l'apprentissage, chez nous, on connaît, on forme. On forme depuis longtemps, que ce soit nos apprentis par les centres de formation. Nous avons la chance en Vendée d'avoir un territoire de formation, des centres de formation et des lycées pro qui nous suivent. Et on a un tissu d'apprentis très, très, très dynamique. Les centres d'apprentissage font encore le plein, ont encore augmenté leurs inscrits, nos élèves, les apprentis. Cette année, nous en sommes très fiers, nous les accompagnons. Dans l'apprentissage, je ne sais pas si ça fera partie de votre réforme, nous avons ce qu'on appelle chez nous un MAC, un maître d'apprentissage confirmé. C'est notre tuteur. C'est celui qui accueille l'apprenti chez nous. C'est celui qui lui montre les premiers temps, parce qu'il n'est pas effectif, il n'est pas productif, il faut de la patience. C'est lui qui apprend, qui accueille, qui intègre sur les chantiers, avec les collègues, parce qu'il y a un monde, il y a une marche entre le collège et le monde du travail. Il y a des enfants, des élèves, des jeunes, et bravo de choisir l'apprentissage et les enseignements techniques qui sont capables d'aller dans l'apprentissage directement et d'autres qui auront besoin encore du lycée professionnel pour être confortés. Il faut de tout, il faut travailler en complémentarité. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut vraiment avancer cette réforme sans oublier nos centres de formation. Nous avons une richesse. Moi, je voulais féliciter les jeunes hommes et les jeunes femmes de rentrer dans l'apprentissage. Parce que ce n'est pas anodin. Je voulais aussi vous dire que beaucoup de chefs d'entreprise, comme vous, monsieur, comme moi, on n'a pas fait des hautes études, on n'a pas Bac plus 10, mais on a appris un métier. Vous pouvez être fiers de vous. Venez à nos rencontres, venez dans son entreprise. Soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de vos mains. Si vos mains travaillent, c'est grâce à votre tête. Mais il y a une chose, où des fois je suis un petit peu psychorigide avec mes apprentis, c'est sur vos carrières de liaison. Ce n'est pas parce que vous êtes dans des travaux manuels qu'il ne faut pas oublier le français. Ce n'est pas parce qu'on est dans le nautisme, dans le bâtiment, qu'on n'a plus le droit d'apprendre notre langue. Ayez confiance en vous. Voilà, merci. Et, voilà, une dernière question peut-être ? Une dernière question, on fait la photo et puis ça permet après de poursuivre peut-être. Monsieur le Président, Monsieur, Madame le Ministre, voilà, je suis enseignant au lycée Tabarly en maths sciences, prof principal adjoint des troisièmes avec Madame Joanneau. Voilà, simplement, on parle de l'apprentissage, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, c'est vrai qu'on accueille des apprentis dans notre établissement, mais il y a quelque chose qu'on essaye de préserver dans notre établissement. On ne veut, bon, les élèves de seconde bac pro, il n'y a pas d'apprentis, on n'en prend pas, parce qu'ils ont besoin d'une année
de formation, ils sortent de troisième, ils sont encore jeunes, ils ont encore besoin d'apprendre. Les élèves de troisième qui sont partis en apprentissage, qu'on a orientés en apprentissage, ils ont les compétences, ils vont s'en sortir, il n'y a pas de problème. Les élèves qui restent en seconde générale, ils ont encore besoin d'une année pour se développer, pour apprendre des choses. Quand ils arrivent en première, nous, au lycée d'Abarly, on accepte 2 élèves, maximum 3 élèves en apprentissage. Pourquoi ? C'est important de ne pas abonder l'apprentissage dans nos classes. C'est vrai que c'est intéressant pour les autres élèves, mais en même temps, on a besoin de ce travail avec nos classes, des élèves qui ont peut-être plus de besoins. On arrive à s'adapter avec 2-3 apprentis. Après, il y a vraiment les centres de formation d'apprentis où il n'y a que des apprentis. Ça fonctionne aussi très bien. Mais voilà, c'est simplement essayer de ne pas oublier que nous avons besoin aussi d'avoir des élèves en formation initiale, tout simplement. On peut associer des apprentissages, c'est enrichissant pour l'école. Voilà, c'est tout. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Olivier Morin, je suis le président de la CPME des Pays de la Loire, Confédération des petites et moyennes entreprises. Alors, plutôt qu'une question, c'est d'abord un hommage et puis un point de vigilance. Premier, c'est un hommage aux élèves, aux jeunes, cette jeunesse qui a souffert ces derniers temps, souffert d'isolement, souffert d'être pointé du doigt pour transmettre un virus. Voilà. Donc, c'est cette jeunesse sur laquelle on est extrêmement vigilant dans nos entreprises parce que c'est notre vivier d'entrepreneurs de demain. C'est notre force de production. Donc, on y est extrêmement sensible. Et je sais que notre présidente de région y est également très attachée avec une plateforme pour permettre de trouver des stages beaucoup plus facilement en région. J'inviterai d'ailleurs les jeunes à s'y connecter pour trouver des maîtres de stage. Cet hommage, c'est aussi pour prendre conscience que notre jeunesse, elle change de relation au travail. Et ça, nous, les entrepreneurs, on l'a bien vu. C'est de plus en plus difficile de leur faire accepter un CDI. Parfois, ils les refusent tout simplement et préfèrent ne pas s'engager parce qu'ils ont dans leur logiciel, finalement, plusieurs choses. La première, c'est que l'engagement pour eux doit avoir du sens. Il faut que, quand on propose un emploi, quand on propose notre entreprise à ces jeunes, pour eux, elle évoque quelque chose qui a du sens. Et pour qu'on aille vers ce qui, a priori, quelque chose qui a du sens pour eux, c'est faire évoluer nos entreprises, les faire progresser. Et donc, pour les faire progresser, il faut qu'aussi nous puissions faire de la formation continue. Et donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il ne faille pas opposer la formation initiale à la formation continue. Les deux sont essentiels, et puis je dirais même à la formation des demandeurs d'emploi. Il y a donc un point de vigilance tout particulier à avoir sur le fléchage des fonds de la formation continue auquel les entreprises abondent et qui, malheureusement, n'alimentent pas suffisamment les plans de formation pour qu'on puisse maintenir nos entreprises compétitives, les faire évoluer et leur donner du sens. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer par la fin. On pourra en reparler parce qu'on va continuer le travail de la formation continue qu'on a commencé durant ces 5 dernières années. Mais il n'y a pas de, pour que ce soit clair, l'idée de reflécher de l'argent qui serait dans la formation continue ou payée par les employeurs pour aller financer ce qui relève de l'éducation nationale, si c'était l'implicite. Ça, ce n'est pas ce qu'il y a derrière la réforme du tout. Par contre, ce que je dis, c'est que ce que vous avez décrit de changement culturel est vrai, ce qui est un défi pour tous les employeurs, y compris les employeurs publics. La qualité de vie au travail, la qualité du travail, le sens du travail sont très importants à côté de la rémunération. Et surtout quand il y a des tensions sur le marché du travail, ce qui est le cas d'un département comme le vôtre, ben, les salariés ont plus la capacité de choisir. Donc ça fait partie de l'attractivité, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça nous permet tous de tirer vers le haut la qualité de nos emplois. Et on sait que les sociétés vers lesquelles nous allons, c'est des sociétés où les emplois doivent avoir une meilleure qualité. Et là aussi, il faut qu'on s'interroge collectivement quand on dit on n'arrive pas à pourvoir tel ou tel emploi. Parfois, c'est qu'on n'a pas assez fait changer les choses. Parce que la réalité du métier ne correspond plus soit à la structure de rémunération qui est proposée, ou en effet, c'est trop dur, ça n'a pas assez de sens, les horaires sont pas... On n'écoute pas assez. Donc là aussi, s'écouter, reparler, essayer de changer les choses, c'est une réponse. On va continuer les réformes de la formation continue, du plan de compétences nationales, des déclinaisons locales,
de ce qu'on a fait sur l'apprentissage. Il y a beaucoup de choses qui ont marché, l'apprentissage, et des choses sur lesquelles on peut encore largement s'améliorer, en particulier sur les systèmes de formation. On sait que nous n'avons pas un système qui est encore parfait, on peut le rendre plus efficace collectivement. Il y a des choses qui marchent très bien. Vous en êtes d'ailleurs l'un et l'autre des bons exemples. Il y a des choses qui marchent moins bien et dont on a connu les faiblesses. Donc on va là-dessus continuer d'avancer. On va continuer sur la formation de nos demandeurs d'emploi, qui est essentielle si on veut réduire le chômage, en particulier le chômage de longue durée, parce qu'on sait bien que quand nos compatriotes sont au chômage depuis plus de 18 mois, c'est très difficile de retrouver un emploi. Il faut repartir sur des formations et des qualifications. Et donc c'est de la bonne utilisation de l'argent de la nation. Et là-dessus aussi, on a commencé à changer les choses. Et France Travail, pour moi, qui va permettre de mettre tous les acteurs autour d'un même guichet, sera clé. Mais moi, je n'oppose pas du tout. J'ai dit l'inverse tout à l'heure. Je pense que c'est le contraire. Il faut mieux former nos jeunes et les former dans un continuum entre l'académique et le professionnel, qui leur permettra d'ailleurs de continuer de se former tout au long de leur vie. Mais si on n'a pas été, si on n'est pas suffisamment ambitieux dans la formation de nos jeunes, il y a peu de chances qu'on soit bon dans la formation ensuite continue et la formation des adultes. Or, on a insuffisamment ces dernières décennies réinterrogé notre système de lycée professionnel. Et ces résultats ne sont pas au rendez-vous. Et ce n'est pas la faute des profs, ce n'est pas la faute des élèves. C'est parce qu'on a laissé perdurer des organisations qui n'étaient plus adaptées. Donc, je n'oppose pas du tout, mais voilà l'esprit des réformes qu'on va continuer de mener. Madame la Présidente, vous avez très bien dit l'importance des maîtres d'apprentissage comme des maîtres de stage. Et donc, là-dessus, première chose, il y a des coopérations, vous en faites d'ailleurs, avec des campus de métiers, avec des centres de formation. Et donc, c'est très bien dans ce continuum qu'il y ait ce dialogue. Il ne faut surtout pas opposer. Et moi, je pense qu'un des points de la réforme, ça va être de décloisonner au maximum le travail entre les acteurs pour pouvoir justement qu'il y ait de la circulation, de l'intelligence, de compétences. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que parfois des campus des métiers ou des centres d'apprentissage vont avoir des formateurs et des compétences qui peut-être seront utiles dans un lycée pro où on n'a pas telle compétence très spécialisée et il va nous falloir 3 ou 4 heures de telle compétence et on va pas... Ça n'est pas un temps suffisant pour avoir un enseignant. Ce n'est pas une compétence qu'il y a dans nos enseignants ou dans ceux qu'il y aura au niveau du département. Donc, il faut qu'on ait cette mobilité au service de nos jeunes. Donc, moi, je n'oppose pas du tout les deux. Ça doit être très coopératif, très collaboratif. Et il faut qu'il y ait des liens, évidemment, entre centres d'apprentissage, campus des métiers, toutes ces formules qui existent, que nos régions, nos branches professionnelles, nos organisations professionnelles en lien avec l'éducation nationale, développe, et nos lycées pro. Il y a un point important qui est derrière ça, c'est la qualité de l'encadrement. Et donc, sur ce sujet, je pense que c'est là où nos enseignants et nos directrices et directeurs d'établissement ont un rôle clé. C'est que ce sont les équipes pédagogiques qui peuvent apprécier si le stage se passe bien et correspond justement à ce que, un, l'élève est en capacité d'apprendre ou pas, et est-ce qu'il est bien encadré ou pas. Et donc ça, c'est dans un dialogue pédagogique que ça doit se faire, et ça, c'est très important. Et donc, cet aller-retour permanent, il est clé, et c'est un des points aussi qu'on va constamment essayer d'améliorer dans la réforme. C'est qu'il ne s'agit pas d'envoyer un jeune dans un environnement professionnel et de dire, il va se débrouiller. Vous savez organiser, parce que vous savez qui a été un bon maître d'apprentissage, qui ne l'est pas. Parfois, vous déréférencez des gens qui ne sont pas des bons maîtres d'apprentissage, je le sais, à juste titre. Le rôle des profs et de la communauté pédagogique dans les lycées professionnels, c'est ça. Et ça rejoint la préoccupation qu'évoquait monsieur. Sur le point que vous avez évoqué, je vais être très clair, ça correspond totalement à ce que je disais tout à l'heure. Je ne veux pas du tout qu'on oppose la capacité à avoir des savoirs fondamentaux et à aller plus vite vers des métiers. Et donc ça, c'est un choix qui est collégial, c'est celui de la communauté pédagogique et du professeur principal avec l'ensemble des professeurs dans les conseils. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut améliorer et qui fera l'objet d'ailleurs des concertations de la réforme. Mais ça doit être un choix collégial en lien avec la famille, de savoir d'ailleurs si le jeune va aller plus vite vers un système d'apprentissage pré-bac, va au contraire devoir aller vers un système lycée pro avec des stages évoqués, va peut-être aller vers un système où il aura plus de temps d'apprentissage tout en restant en lycée pro. Il y a un gradient, si je puis dire, de solutions, mais qui dépendent de l'évaluation que vous faites pédagogiquement, du choix du jeune et de sa famille. Et donc, je pense qu'il faut à chaque fois que ce soit un choix fait de manière éclairée et libre.
Et il ne faut jamais qu'on soit dans une situation, je pense que c'est ce qu'on veut faire dès l'orientation et au lycée pro, ça ne doit jamais être une situation qui est faite de manière, entre guillemets, contrainte pour et le corps enseignant et le jeune et sa famille. Il faut qu'il y ait ce dialogue qui se noue et qui permet seul la bonne orientation et le bon cheminement. Et pour moi, c'est ça le cœur de la réforme. C'est pour ça que j'assume qu'on va réinvestir dans notre lycée professionnel. Parce qu'il faut continuer au maximum à tenir ces deux bouts qu'est l'apprentissage de métiers et des métiers dont on a besoin, avec aussi les savoirs fondamentaux. Voilà les quelques mots que je voulais dire. Avant de prendre la photo, vous avez eu des mots très enthousiastes, madame, et je vous en remercie. Je pense que la clé derrière tout ça, c'est la fierté que doivent avoir nos lycéens et nos jeunes, et la fierté que doivent avoir leurs parents, et avec eux, oserais-je dire aussi, leurs enseignantes et leurs enseignants. Parce que derrière, c'est quand même l'une des tâches les plus importantes de la République. C'est de faire des citoyennes et des citoyens, des républicains, c'est-à-dire des esprits libres, ayant acquis des savoirs, et étant préparés à un métier pour aujourd'hui et pour demain, ce ne sera peut-être pas forcément le même. Et donc leur donner cette capacité aussi de pouvoir changer durant leur vie. Donc merci d'être attaché à cela, à cette tâche, mais pour nos jeunes, soyez fiers aussi de cela et d'en être. Merci beaucoup. Si les personnels et les élèves qui le souhaitent être présents sur la photo, nous vous attendons.